de la forêt qui promet à ses fans un concert pour le Zénith. On parlera également de Karine Mokonzi, la baronne, qui avait annoncé son mariage le 24 octobre dernier. Et ce mariage a été annulé selon ses beaux-parents ne l'ont pas accepté. On en reparlera dans cette émission. Nous irons également en matière de fêtes d'hiver. On va faire un tour au Gabon, à Libreville plus précisément, où nous parlerons des catholiques qui sont allés dans la rue pour manifester leur ras-le-bol dû au Covid-19. À qui la faute? Regardons tous. Adieu. Merci beaucoup, Charams. Partage. Voilà. Les franciliens et franciliennes, nous avons été tous nombreux à regarder le discours du chef de l'État. J'ai fait un tour dans la rue pour essayer de prendre quelques avis de nos compatriotes. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un déguisement, mais tellement réussi. Regardez. Bonjour. Bonjour. Vous allez à un bal masqué? Non, c'est à l'annonce du confinement, on a décidé de fêter Halloween plus tôt. Du coup, vu que c'est ce soir, on ne pourrait pas faire la fête. Donc on s'est dit, autant faire ça aujourd'hui, avoir assez déguisé, faire un peu de peur, un peu de lumière. Oui, un peu de boucle, je vois ça. On dirait la poupée, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le look, il est réussi. Oui, merci. Et que pensez-vous du discours du chef de l'État? C'est une décision assez responsable, mais qui voulait pas prendre nos libertés, même si ça reste important et compréhensible vu l'état sanitaire de ce qui se passe en ce moment, c'est n'importe quoi. Alors je comprends. Et c'est mieux ça que de tout fermer et d'empêcher les études. Donc vous êtes d'accord que le président ait laissé les crèches, les collèges, les lycées et l'école primaire continuer à étudier? C'est mieux. En tout cas pour nous, oui. Étant lycéenne, c'est quand même plus simple. Mais je vois que vous n'avez pas vos masques. Là maintenant non, parce qu'ils ne sont pas obligatoires en extérieur et on se voit extrêmement souvent, limite c'est presque comme si on habitait ensemble. Donc, elles me font peur mais en même temps elles sont magnifiques. J'espère que vous voyez. Alors je vais vous laisser vous dire bonjour à ma fille qui aime bien ce genre de déguisement qui font peur. Elle s'appelle Crystal. Et bah bonjour Crystal, et j'espère que t'aimes bien mon costume parce qu'il est beau. Merci les filles, au revoir. Mais de rien. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Franciliens et franciliennes, je profite de ma dernière journée de liberté, sans masque, parce que je suis dehors, je suis dans un parc. Mais n'oubliez pas, respectons tous les gestes barrières. Werrason et Sankara de Kunta sont en Europe. Ils nous promettent un méga concert. Ils nous promettent un futur zénith. Je vais vous laisser regarder ces quelques images que j'ai pu obtenir. Vous allez voir comment Igwe, le roi de la forêt, le petit frère de Patrice Ngoï Moussoko et bien sûr le mari de Ma Sidéji Mampata. On regarde ça avec Desi Bobo Charams. Lik Makanaki Kudei Ratakate. Bon, en Autriche, au fait, Nazana Kata Panama, Nagiji, c'est rendez-vous. Il fallait insister à ma Kamba contrat. Je vais avoir une conférence de presse avec l'équipe pour un concert à Zénith. Je suis en Autriche. Je suis en Autriche.
pour la minute où il y a un roi d'Afrique, il y a un autre mixage en Autriche. En Autriche, il y a un disque. Voilà, merci beaucoup. Encore. Tout le monde a été en train de se faire. Compé na zobe ta moyo ko mikolo yo ezape bi to solo na ba massa kuna na ba noko ko ba fana maison mère ba mona le roi sur le terrain za bona we wa sakara de kuta de messie riche bon bana tu autriche ma mota tro na kuta la mino kalate na ma peli ku to se na produit ki ma fama na espèce ye yo da liawa im da zo kumba na autriche to ya ko kuta mi makana ki kalate to zo mona na ali. Mbangu Pema. On a dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Toutes les choses ne sont pas à dire, les amis. Encore moins sur Internet. Il faut faire très attention à qui on se confie. Il faut faire très, très attention. Le meilleur confident reste Jésus-Christ de Nazareth. Ou du moins, ton père ou ta mère. Mais laisse-moi te dire une chose, que ton père ou ta mère ou ta sœur ou tes amis te trahiront un jour. Mais Jésus-Christ, jamais il ne te trahira. On va parler de Karine Mukundi. Karine Mukundi est une chroniqueuse, chanteuse congolaise de la RDC. Qui a réussi, comment? Mais elle a réussi quand même. Elle est actuellement en Europe. Son foyer bat de l'aile. Il faut dire qu'avec Karine Mukundi, on est habitué au scandale. Avec Karine Mukundi, on l'aime, un tant soit peu, on la déteste la minute qui suit. Mais c'est tout ça qui fait Karine Mukundi. Je n'ai pas envie de m'apitoyer sur son sort, encore moins lui donner de leçons de morale, ou encore moins me moquer de sa situation, ou encore moins en rire. Ce que je peux dire, c'est que ce qui arrive à Karine Mukundi aujourd'hui peut arriver à toi. Oui, frère. À toi et à toi, ma sœur. Évitez d'exposer vos vies sur les réseaux sociaux. Ne faites confiance à personne. Et sachez que, on nous dit aussi, ce que tu sèmes, tu le récoltes, en bon comme en mauvais. Si tu as fait du mal, sache qu'un jour tu le payeras. Si tu as fait du bien, tu le payeras aussi, tu récolteras les bienfaits. Karine Mukundi nous avait annoncé son mariage pour le 24 octobre. Moi, j'étais parmi les personnes qui étaient contre. Pas contre son mariage, mais contre l'annonce d'un mariage qui n'était même pas encore programmé. Et ce n'était même pas un mariage, c'était juste des fiançailles. Mais connaissant Karine Mukundi avec sa façon de faire, je me suis dit, ben, c'est la Starmania, ça se passe comme ça en RDC, ça fait des années qu'elle est comme ça, elle expose les gens, elle s'expose, c'est sa live. Mais est-ce que cela nous donne aujourd'hui le droit d'exposer ou de nous en prendre à Karine Mukundi aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce que je me rappelle de la femme, pute, excusez-moi du terme, Jésus-Christ l'avait pardonné. Qui es-tu pour juger Karine Mukundi? As-tu regardé dans ton œil, comme dit mon pasteur Cédric, as-tu vu la poutre qui est dans ton œil, la paille qui est dans ton œil, avant de parler de la poutre qui est dans l'œil du voisin? Karine Mukundi Azamoto, elle a ses défauts et ses qualités. Karine Mukundi n'a jamais demandé aux membres ou aux membres de Boîte Noire, à Papa et FMI et j'en passe, de se mettre en association pour travailler pour elle. Là, vous me renvoyez dans la chanson Esclave de Koffi Olomide. Karine Mukundi n'a jamais demandé à quelqu'un d'être son esclave.
Mais vous vous êtes mis en association pour venir en aide à Karim Okondji parce que vous l'aidez. Et Dieu seul sait, j'aimerais dire ici, Dieu et les ténèbres savent ce que vous en tirez derrière Karim Okondji. Aujourd'hui, elle a besoin de vous. Elle n'a pas besoin qu'elle soit vilipendée, qu'elle soit jugée. Ou qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a tué personne. Chaque jour ici en France, on tue des gens. On vient de rendre hommage à Samuel Paty qui a été égorgé presque dans son collège, lycée, j'en passe. À Nice, il vient d'avoir encore des morts. Karim Okondji n'a jamais tué quelqu'un. Est-ce que toi, tu n'as jamais fauté? Est-ce que toi, tu n'as jamais eu un problème avec quelqu'un? Moi non plus, je n'ai pas de leçon de morale à vous donner. Ce que j'ai envie de dire à Karim Okondji, c'est que sache que ta foi te sauvera. Et la prochaine fois, tes fans ont raison, les Chinois ont raison. Garde ton mari pour toi. N'expose jamais ton mari sur les réseaux sociaux. Jamais. Ton mari est le tien. Ce n'est pas le nôtre. Nous, on veut juste voir les photos de mariage et on sera content pour toi. On veut juste voir que tu as accouché. On sera contente. Moi, je serai contente pour toi. Et tes fans seront contents pour toi. On ne va pas s'attarder sur Karim Okondji. On va aller à Libreville. Oui, chez moi. Là-bas, les églises, les catholiques ont craqué. Parce que le gouvernement a fermé les églises. Pourquoi, comme je le disais au début de cette émission, que chacun de nous était responsable? Est-ce que nous respectons les gestes barrières? Est-ce que nous faisons attention à nos amis, à nos enfants, à nos proches? Est-ce que nous en prenons soin? Prendre soin de quelqu'un, ce n'est pas lui acheter seulement à manger, lui apporter des vêtements. Non, la pandémie actuelle existe. T'aimes ta grand-mère, évite d'aller lui rendre visite parce que aller lui rendre visite, c'est lui pousser un peu plus vers le coronavirus. Alors au Gabon, les catholiques se sont fâchés contre le gouvernement. Donc ils sont allés dans la rue. Et j'ai été très peinée en tant que chrétienne de voir ce genre de comportement. Oui, j'ai envie de condamner ce comportement. Parce que la Bible ne nous enseigne pas la violence. La Bible ne nous enseigne pas cette façon de faire. Au contraire, si on a fermé les églises et que vous voulez montrer la puissance de Dieu au monde entier et surtout au Gabon et au gouvernement gabonais, vous connaissez Esther? Faites le jeûne d'Esther. Oui, 3 jours de jeûne et vous présentez la situation à Dieu. Vous présentez le gouvernement gabonais à Dieu. Ainsi que son président. Dieu seul vous donnera la réponse. Est-ce que Dieu vous a dit d'aller dans la rue comme vous avez fait? En plus, d'autres étaient sans masque. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais vous laisser regarder ces quelques images des catholiques gabonais qui ont bafoué la loi gabonaise. Désir Bobo Charams. Grâce à Dieu. Vous
avez vu les Gabonais? Quand le prêtre est en colère avec ses paroissiens, vous pensez vraiment que c'était nécessaire? Retournons tous à la Bible. Lisons la Bible. Il nous enseigne l'amour. Et il nous interdit le jugement. J'aimerais comme ça dire bonjour à Hugo Ndai depuis Brazzaville, à Choisi Matata depuis Kinshasa, à Luviki Luviki, le francilien qui cartonne sur la page, Desi Bobo Charams aussi, merci beaucoup pour ce que tu fais, à tous les Congolais qui sont au Maroc. Par ma voix, je vous dis merci et surtout continuez à regarder cette page. Vous avez été nombreux à écrire, à demander des vidéos à l'extérieur. Mais sachez-le, nous sommes reconfinés. Je ne vais pas dire que c'est la dernière fois, mais c'est la dernière fois avant longtemps que vous me voyez peut-être sans masque ou à cet endroit. Le confinement nous concerne tous. Respectons les gestes barrières. Respectons les gestes barrières. Karim Okondi, courage. Demande à Kofi Olomide, il va te montrer comment ça se passe. Quand on parle beaucoup de toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi d'extraordinaire. Il faut savoir comment exploiter ces choses, exploiter ces avantages. Sur ce, je vous dis à bientôt.